Salut, bienvenue au Centre Goscinny pour les stages de printemps. Et bien aujourd'hui on va faire un podcast sur comment faire un podcast. Monsieur, comment faire un podcast? Et bien c'est ce qu'on va voir. Premièrement, si vous voulez faire un podcast, il vaut mieux avoir des choses à dire. Aujourd'hui, on va parler de... des souris d'ordinateur. Vous sentez pas quelque chose brûler, là? Non. Deuxièmement, pour faire un podcast, il vaut mieux être intéressant. Ah, mais c'est mes cheveux, en fait. Hier, je suis allée au centre commercial avec mon grand-père. On est allé au magasin de glace parce que j'adore les glaces. Même ma tante Gabrielle, elle aime les glaces, mais elle aime pas le chocolat. Et mon grand-père, en fait, il aime bien les chiens aussi. Il aime bien les chiens, c'est vrai. Par contre, ma petite sœur, elle aime pas le lait. Elle aime pas du tout le lait. Par contre, moi, j'adore le lait. C'est très bon le lait. Hier, avec mon copain Gérard, on est parti devant un arbre. On a compté les feuilles. C'était très marrant. J'ai adoré. Ah oui, et pour faire des podcasts, il faut être drôle. Vous savez pourquoi les bananes sont tordues? Parce qu'elles ont pas de colonne vertébrale. Enfin, c'est mieux. C'est l'histoire de deux hippopotames. Ils sont dans un bain et il y en a un qui dit à l'autre: arrête de faire des vagues, Paul. Non, c'est obligatoire. C'est l'histoire d'un citron dans un magasin pour faire un braquage. Et là, il dit: pas un zeste. Viens vite dans le bateau, tu vas te noyer. Captain Kirk, on a un problème. Ok, téléportation. Très important aussi, choisir un endroit adapté. Par exemple, ça. Ouais, bienvenue sur mon super podcast, ça va être trop génial. C'est complètement raté. Ça. Bienvenue sur mon super podcast, ça va être trop bien. Sans le cache, c'est mieux, non? C'est nul aussi. Ça. C'est nul aussi. Numéro 59. Numéro 0,79. Numéro 1,359,000. Numéro 22. Autre chose, quand on fait un podcast, il faut éviter de se la péter. Comme le disait l'autre jour mon ami Will Smith chez David Beckham, vis ce jour comme si c'était le dernier. Ah, excusez-moi, c'est mon ami Barak qui m'appelle. Hello Barak. Mais parallépipède. Non, Pi. T'allais? Toi. C'est sûr. Alex, ça frappe. Oh, you can do it. 13. Ça peut être aussi pratique de pas avoir honte de son corps. Salut, je suis un nouveau podcasteur, je vais faire des vidéos sur YouTube. Donc je vais principalement parler des fleurs de... Hé, arrête, filme pas mon corps. Vas-y, on avait dit pas mon corps, juste la tête là, vas-y, t'es viré. Dégage. Tu veux faire les triangles ou les carrés? Moi je préfère les losanges. Ah bon, bah moi je préfère les losanges. Attends, attention! Losange de fraise! A l'inverse aussi, c'est mieux de pas en montrer trop. T'es tout nu, mec. Ouais, je sais. Bizarre. Colo terrorista. Stop la Harlem Shake. Quand on fait un podcast, il vaut mieux ne pas avoir l'air ringard. Bienvenue dans les podcasts des années 80. Aujourd'hui, on va vous parler des nouveaux jeux sortis sur NES. Quand on fait un podcast, il faut éviter de faire trop de pubs.
Salut, je vais faire un podcast. Et d'ailleurs, ces magnifiques images sont tournées par Canon. Canon, you can. Alors hier, en fait, j'étais dans la rue et j'étais très désaltérée. Alors j'ai bu un Coca. Coca-Cola, ouvre du bonheur. Et après, je suis allée faire du sport dans la rue. Donc j'ai enfilé mes Nike. Nike, just do it. Après, quand je suis rentrée, j'ai enfilé mes Rip Curl. Et j'ai allumé la PlayStation. EA Sports, it's in the game. Voilà, c'était l'atelier de printemps du centre Goscinny. On vous a donné des conseils pour faire des podcasts. Maintenant, à vous jouer. Au revoir. Au revoir.